frontalière à Cotonou, la commune d'Abomey-Calavi, une extension d'Abomey et du royaume de Dahomey, a été fondée au XVIIe siècle pour faciliter les échanges commerciaux. Deuxième commune plus peuplée du Bénin après Cotonou, la cité de Fofo-Diaka bénéficie depuis 2016 de plusieurs réalisations. Entre autres, voici Maria Gleta, la centrale thermique de 129 MW construite en 18 mois pour sonner la fin de la précarité énergétique avec 60% des besoins du Bénin comblés. Cette ville cosmopolite verra sortir de terre un hôpital de référence internationale dont le stand-in et la portée forcent l'admiration. La remise de site a déjà été effective, les préalables étant levés et les travaux commencent. Dans la cité Ouedo, 11 000 logements sociaux et économiques sont en construction. Grâce au pont de l'Alliance, les populations de Ouamer sont désormais sauvées dans leur mobilité. Aujourd'hui, le chef de l'orchestre foule le sol de ses concitoyens, accueillis par une marée humaine. Entre l'artisan de la transfiguration et les habitants d'Abomey-Calavi, c'est une complicité établie depuis 2016. Ici à Calavi, si vous vous rappelez bien, j'avais dit, grâce à vous, notre victoire, ma victoire aux élections présidentielles était certaine, qu'il n'y avait pas de doute. Nous étions certains ici à Calavi qu'une autre démarche, une autre dynamique allait commencer en 2016. Et ce fut effectivement ainsi. Les populations de Calavi sont reconnaissantes pour les multiples réalisations dont est porteur le chantre de la rupture, entouré d'une équipe de cadres et techniciens émérites. À travers le renforcement et la démultiplication de la cantine scolaire, l'assurance pour le renforcement du capital humain, le microcrédit à l'AFIA, l'implémentation du projet asphaltage et la construction des infrastructures routières, la création de la cité administrative d'Arosu-Gbeta, l'aéroport international de Glodigbe, la cité de Fofo-Diaka est fière qu'en moins de 5 ans, ce gouvernement ait supposé les réelles bases de son développement. Abomey-Calavi dit vivre un rêve avec Patrice Talon et elle est rassurée que le meilleur reste à venir. Cependant, certains projets lui tiennent à cœur. La construction d'un stade omnisport de grande envergure dans un domaine de 15 hectares est déjà disponible pour l'abriter dans l'arrondissement de Godomé. La commune d'Abomey-Calavi a besoin d'infrastructures appropriées pour gérer efficacement les inondations, surtout dans les arrondissements de Godomé et de Toba. La réalisation du projet de contournement Nord-Cotonou, qui permettra de relier directement Abomey-Calavi à Semekoji. L'effectivité de la sécurisation foncière qui, à travers la lutte contre la mafia foncière, sera un bonheur pour toute la population entière de la commune d'Abomey-Calavi. Par exemple, le foncier. Nous avons fait des choses graves dans tout le pays depuis très longtemps. Et on n'a pas trouvé une parcelle à Godomey pour construire un marché pour nos braves populations. J'en ai eu les larmes aux yeux. Sinon, ce marché aurait démarré aussi. Vous nous donnez une opportunité, l'opportunité aux femmes de la commune d'Abomey-Calavi de vous exprimer par ma voix nos sincères remerciements et satisfaction pour votre gouvernance quinquennale 2016-2020, réussie sur tous les plans politiques, économiques, socioculturels et environnementaux. Monsieur le Président de la République, votre premier quinquennat fut un quinquennat de réformes.
Mais il y a une réforme qui a eu des retombées positives énormes sur la jeunesse de la commune d'Abomey-Calavi. La réforme du système partisan. Monsieur le Président de la République, la réforme du système partisan a permis à la jeunesse d'Abomey-Calavi de se faire représenter au niveau de plusieurs instances de décision de notre pays. Parce que l'esprit de cette réforme, c'est de permettre à la jeunesse et aux jeunes militants, aux femmes militantes, d'être reconnus et d'être célébrés, d'être valorisés. Monsieur le Président, grâce à cette réforme et à l'issue des élections législatives de 2019, notre commune et notre circonscription électorale, eh bien, nous avons eu ici un député âgé de 32 ans. Honorable Epiphane Renfort, nous avons eu ici, toujours grâce à la réforme du système partisan, à l'issue des élections communales de 2020, des élus communaux âgés de 32 ans. Le plus jeune conseiller communal d'Abomey-Calavi a 32 ans. Et ils sont plusieurs conseillers communaux à avoir moins de 35 ans. Et plus de 60% des élus communaux d'Abomey-Calavi ont moins de 50 ans. Tout ceci grâce à la réforme du système partisan. Mieux, c'est l'un d'entre les plus jeunes conseillers communaux qui est désigné pour être le maire de la commune pour les 6 années qui viennent. Tout ceci grâce à la réforme du système partisan. Voilà pourquoi les jeunes me chargent de vous dire merci. Parce que cette réforme a été possible grâce à votre grande connaissance de la sphère politique du Bénin. Merci, Monsieur le Président, d'être venu à nous. Puisse Dieu et les membres de nos ancêtres veiller sur vous, qu'ils vous inspirent, qu'ils vous accordent bonne santé et longévité, afin que toutes vos nobles ambitions pour notre pays se réalisent. Ce qui, aujourd'hui, plus que jamais, réjouit le chef de l'État, c'est la construction par tout un peuple des paramètres de développement. Et avec ses habitants, la commune d'Abomey-Calavi, à travers toutes ses forces composantes, accompagne la dynamique et encourage Patrice Talon et les membres de son gouvernement à maintenir allumée la flamme du développement. Une visite qui a suscité l'enthousiasme des populations de cette commune. Celles-ci ont d'ailleurs saisi l'occasion pour saluer les différentes réformes entreprises par le chef de l'État au profit de leur commune. Suivez plutôt. Le chef de l'État nous a rappelé que l'État a une continuité et que nous sommes les garants d'un bon développement, que nous devons faire la promotion beaucoup plus de l'excellence et non célébrer tout ce qui est vice. Et ça nous a fait plaisir en tant que jeunesse. Et nous rappelons à tous les jeunes que nous devons fournir l'effort du développement avec le président Patrice Talon afin que le Bénin puisse aller de l'avant. Je suis émerveillé. J'attendais le tour de ma commune. Et là, j'ai vu un chef de l'État avec un franc-parler extraordinaire. Et le sentiment que j'ai eu, c'est la convivialité avec laquelle cette séance s'est déroulée ici, où le chef de l'État s'est senti en famille, s'est senti entouré et qui, dans un langage clair, terre à terre, a dit du fond de cœur ce qu'il a ressenti. Et pour nous, ce soir, c'est également un nouveau départ, un nouveau contrat avec lui. On a été vraiment émerveillés. En peu de mots, le chef de l'État, son Excellence Patrice Talon, a dit l'essentiel. Il a dit ce qu'il fallait. Parce que nous avons vu tout ce qu'il y a eu comme réalisation dans la commune d'Abomey-Calavi, tout ce dont nous avons bénéficié, notamment à travers le programme d'action de ce gouvernement. Et je peux dire que Calavi a été une grande victoire et je pense que c'est le moment quand même de s'en féliciter. On a été très fiers. Il nous a dit ici que ça reste un peu de temps, d'avoir un peu la patience. Nous qui sommes dans la commune d'Abomey-Calavi, nous le croyons. Donc, nous, on croit toujours en lui. Ces propos du président de la République nous donnent encore la joie au cœur et nous rassurent davantage parce que avoir les réalisations aujourd'hui du président de la République dans notre pays, à travers les projets d'asphaltage, à travers l'hôpital de zone de référence de notre sous-région, qui est en train d'être construit à Calavi, à travers les réalisations de ponts à Womey, de Révier, ainsi de suite, l'aéroport de Glodigbé, je dis tant de réalisations dans notre pays aujourd'hui qui nous rassurent davantage.
Et c'est ça qui donne d'ailleurs l'espoir à la population d'Aboumé-Calavi que dans cette dynamique, nous avons espoir que le Bénin sera vraiment révélé. Faisons à présent le point de cette 20e journée de la tournée du président de la République. Ce sera comme de coutume avec le ministre de la Communication, porte-parole du gouvernement. Alain Roulin intervient ici au micro de William Tchouki. On l'écoute. Le président de la République a tenu une séance presque interactive, puisque à Calavi plus qu'ailleurs, il y a eu des réactions, des échanges quasiment avec le président de la République qui était dans un dialogue plutôt que dans une mission de reddition des comptes. Et l'exercice incontournable de la présentation des acquis de notre programme d'action a été sommaire. Le président de la République s'étant concentré sur la renaissance de notre pays qui est le fruit de nos réalisations et qui en est en même temps la cause. Et dans des recommandations presque testamentaires, le président de la République a restauré le peuple dans sa démocratie, a responsabilisé notre peuple pour que nos travers, qui ne doivent plus être célébrés, ce qui nous a permis et ce qui illustre cette renaissance, soient durables, parce que les travers sont toujours là. Ils sont en sommeil et le chef de l'État exhorte la population à rester vigilante pour garder, consolider et pérenniser les acquis de cette renaissance. Le président de la République a responsabilisé les Béninois sur la feuille de route qui leur appartient dorénavant de tracer pour leurs dirigeants, qui ne doit plus être considéré comme des mythes vivants. Illustration de certaines de nos expressions, notamment en fond, qui conditionnent nos réflexes et qui font du président de la République non pas d'un chef élu de l'État, mais d'un monarque de droit divin, que dis-je, d'un chef qui achète un pays et qui peut en faire ce qu'il veut. Donc il s'est agi d'une démystification de l'approche des peuples par rapport à leurs dirigeants qui ont été démythifiés et qui doivent être surveillés, qui doivent être encadrés parce qu'ils ne sont qu'élus, élus au service d'un peuple pour lequel ils doivent travailler, une méthode qui a fait ses preuves puisque c'est grâce à cette humilité, à cette modestie que le gouvernement de la République du Bénin, avec à sa tête le président Patrice Talon, a réussi à sortir notre pays de sa léthargie d'avant, léthargie facilitée par cette approche conceptuelle du pouvoir, une approche dogmatique et théocratique vers une approche beaucoup plus démocratique, à savoir le pouvoir au peuple, par le peuple, pour le peuple. Et c'est une recette que le président de la République invite, exhorte les populations, nos compatriotes à garder jalousement afin que plus jamais notre pays n'aille à la dérive et que les dirigeants soient au service du peuple plutôt que l'inverse. Sur le secteur agricole à présent, pour la filière anacarde, les ambitions sont de plus en plus grandes au Bénin. Pour la culture et l'amélioration des variétés, eh bien, les chercheurs ont fait d'importantes prouesses ces dernières années. Avec le soutien des partenaires techniques et financiers, la restitution a été faite au cours d'un atelier organisé par le Centre de recherche agricole à Parakou. Marcel Arossi pour les détails. Avec la recherche, avec les stations mises en place, nous sommes en train de voir de beaux jours réservés à l'anacardier sur le plan national. Doublé, triplé et pourquoi pas plus,
La production d'anacardes au Bénin retient de plus en plus les attentions. Chercheurs et décideurs travaillent à porter haut cette filière. C'est différent. Développer des technologies plus performantes en termes d'augmentation de la productivité, de revenus monétaires et en termes de préservation de l'environnement, la recherche agricole veut relever ce défi. Le Centre de recherche agricole, centre de l'Institut national des recherches agricoles du Bénin, s'en occupe particulièrement depuis quelques années. Là-bas, entre autres activités de recherche, un projet de développement du matériel végétal est exécuté depuis 2018. Nous avons effectué des évaluations sur 30 arbres mères que nous avons installés en station que nous suivons. Donc après 4 années d'évaluation, nous avons sélectionné 5 parmi les 30 qui sont les meilleurs en termes de rendement et de qualité de noix. En termes de rendement noix, comme je le dis, les 5 arbres élites que nous avons sélectionnés qui sont aujourd'hui les premiers clones du Bénin, clones d'anacardier du Bénin, ces 5-là ont des rendements qui font le 2 à 3 fois les rendements actuels obtenus en milieu paysan. Si les producteurs arrivent à se servir de ces résultats, les chiffres de la production nationale sont en passe de gonfler. La recherche, elle est continue. Ce que nous venons de trouver comme résultat, les toutes prochaines années, l'année prochaine, l'année suprochaine, ça peut commencer par aller en milieu paysan. Le projet qui devrait permettre de relever le niveau des rendements, qui jusque-là reste historiquement faible, bénéficie d'un soutien sans faille de la coopération allemande. La GIZ semble satisfaite des résultats. Il ne faut pas s'attendre à des miracles. C'est un travail de fond que la coopération vient appuyer de maintenant à faire dans cette recherche agronomique. Et on espère qu'à travers les portages qui se dessinent là, le programme national de développement de la filière anacarde, que le Bénin reste engagé à soutenir sa recherche, non seulement la recherche, mais sa recherche agronomique dans ce domaine-là, et qu'à terme, le Bénin va satisfaire ses besoins. La non-disponibilité du matériel végétal a été pendant longtemps la principale cause du faible rendement. Mais de façon progressive, la solution arrive. Il y a eu des investissements majeurs dans le domaine, mais il faut toujours attendre quelques années pour voir le fruit de ces investissements. Parce que autrefois, il y a quelques années, c'était du matériel tout venant que les planteurs utilisaient pour installer leurs vergers, et le suivi de ces plantations était dans des conditions qui n'étaient pas vraiment celles qui pouvaient donner plus de compétitivité à cette filière-là au Bénin. Mais depuis quelques années, avec le regain d'attention que le gouvernement apporte à cette filière, je crois qu'il y a un certain nombre d'actions bien planifiées et bien cohérentes. Aussi impressionnantes que ces premiers résultats, les perspectives de recherche s'annoncent nombreuses. Sur une telle lancée, le Bénin pourrait bientôt s'emparer d'une meilleure place au classement mondial des producteurs d'anacardes et ainsi continuer à surprendre les marchés de matières premières comme celui du coton, entre autres. Décédé le 13 novembre dernier à l'âge de 74 ans, l'historien Abiola Félix Iroko a été mis en terre ce 12 décembre. La veille de cette inhumation, l'Académie nationale des sciences, arts et lettres du Bénin, dont il était un membre fondateur, a tenu à organiser une cérémonie d'hommage en sa mémoire. Voici les images. Dieu a donné, Dieu a repris, que le nom du Seigneur soit béni. Rameau de palmier, colonne de marbre blanc, flopée de sachant en tauge de circonstances, tous les ingrédients sont réunis pour rappeler les mérites académiques de l'illustre disparu. C.J. Abiola Félix Iroko, historien des civilisations d'Afrique de l'Ouest et de l'esclavage, un grand savant béninois, l'Académie nationale des sciences, arts et lettres, reconnaissante. Malgré la tristesse que nous inflige cette lourde perte,
nous avons à garder de l'académicien Abiola Félix Iroko l'image du chevronné enseignant-chercheur, du bâtisseur de disciples, de l'utile homme qu'il a été et qu'il demeure pour le pays et le rayonnement de son institution universitaire. Ultime hommage des immortels de l'Académie nationale, auxquels se joignent de nombreux autres membres de la communauté universitaire nationale et internationale. Hommage des autorités politico-administratives d'hier et d'aujourd'hui aussi, pour témoigner de l'immensité de la perte face à cette bibliothèque qui brûle. Mais le jeune Abiola avait chevillé au corps une mission, celle de découvrir, de faire découvrir, à travers différentes recherches, l'histoire des peuples du Bénin, la richesse de leur culture, contrairement aux clichés avilissants, aux productions idéologiques et souvent tronquées que certains spécialistes et anthropologues européens donnaient du continent noir. Je voudrais effectivement reconnaître la douleur qui devrait animer les autorités, les responsables, ainsi que l'ensemble des personnalités du monde universitaire. Et je voudrais également, en ce moment-ci, sans trop vouloir discourir, présenter au nom de mon cabinet mes condoléances à la communauté universitaire nationale et internationale. Abiola Félix Iroko, ou de la fin d'un érudit confectionné en pièces uniques. Dans la vie comme dans la mort, l'académicien aura forcé le respect jusqu'au bout. Et après ces hommages, une messe a été dite à l'église Saint-Michel de Cotonou. C'était en présence des membres de la famille et des collègues du défunt. Le récit des faits avec Axel Dancy. Sa voix fluette ne résonnera plus, mais son nom trottera dans les mémoires. Félix Abiola Iroko s'en est allé à 112 ans le 13 novembre dernier. À son domicile pour un dernier hommage, autour de la dépouille de l'illustre universitaire, ses parents reçoivent les condoléances de ses pères. L'heure est au recueillement. De la maison mortuaire, direction Église catholique Saint-Michel de Cotonou. Au pied de l'autel gîte le cercueil du chercheur émérite, dont les mérites sont célébrés par l'officiant. Le père célébrant conclut le rituel d'adieu par des bénédictions ultimes pour l'ultime voyage. Sur les visages, les masques cachent mal les tristesses. Témoignage de tendresse à un homme dont le passage ici-bas a inspiré un quasi-respect religieux. Je retiens de sa vie deux choses. Sa simplicité et son patriotisme. C'est un barbare qui est décédé, qui a rejoint le père. Félix Iroko, c'est toute une mémoire, surtout concernant l'histoire de notre pays. Et vous savez qu'il est un académicien, il n'est pas académicien qui veut. C'est celui qui peut et qui a la capacité intellectuelle et qui vraiment a su éduquer notre pays. Il est professeur d'université, les milliers d'étudiants qu'il a gardés, ça montre que le savoir peut être dissimulé, peut être divulgué dans la population et changer un peu les mœurs pour les gens. Félix Iroko laisse l'image d'une sommité universitaire à l'humilité plus grande que sa stature intellectuelle. L'immensité et la densité d'une pareille perte sont d'autant plus ressenties qu'il s'agit, dans le cas présent, d'un éminent professeur, homme de culture et de recherche, aux qualités intellectuelles évidentes et exceptionnelles, au talent incroyable et insondable,
bardée de parchemins et de distinctions, sortant des sentiers battus, avec à son actif des découvertes et des publications sans nombre. Au cimetière Vassero de Ouida, l'ancien professeur d'histoire des universités de Kamès est conduit à sa dernière demeure. La bibliothèque n'a pas brûlé, mais la source a disparu. Tout est peut-être vanité, mais une telle vie n'est pas vaine. Alerte coronavirus. Attention, attention, le coronavirus se transmet très facilement et fait des ravages. Pour l'éviter, le port du masque de protection est obligatoire en tout lieu. Dans l'administration publique ou privée, dans les réunions, les rencontres, dans les marchés, les magasins, les boutiques et lors des déplacements, le port du masque est obligatoire. Même dans les lieux privés, dès lors que l'on n'est pas seul, le masque doit être le fidèle compagnon. Mais attention, le port de masque de protection ne dispense nullement d'appliquer les autres mesures de prévention, notamment le lavage des mains à l'eau et au savon et l'observance de la distance de sécurité sanitaire d'au moins 1 mètre entre personnes. Enfin, s'abstenir de porter des gants en vue du lavage régulier des mains à l'eau et au savon ou de l'application de gel hydroalcoolique. Pour tout savoir sur l'épidémie du coronavirus au Bénin, rendez-vous sur le site web www.gouv.bj/coronavirus. Ceci est un message du gouvernement de la République du Bénin. Voilà, ce sera tout pour cette session d'information sur la chaîne nationale. Merci de votre attention. Au revoir et à la semaine prochaine.